Grel. Je ne savais pas que tu étais là. Greg, what language did you speak to each other in the past? Bonjour. French, but I think the first time I met him, it was in an elevator, I remember. But I don't think you probably remember him. I think it was in Prague. Normally you speak French together. You said bonjour when he came in already. Well, yeah. You speak French? Un peu. Well, little test then. How many years have you... combien d'années est-ce que vous avez été dans les équipes françaises? Presque toute ma carrière. Oh, formidable. Sauf 12 ans. Il parle très bien français. Donc, let's speak French. Parlons français. Non. C'est moeilijk worden, hein, vooral erom. Donc, tout le monde sait ce qui a été entre vous, les choses que vous n'appréciez pas l'un de l'autre, mais il doit y avoir quand même des choses que vous appréciez l'un de l'autre. Donc, on va commencer avec Eddie. Misschien, Eddie, kan jij eerst eens vertellen? Ja. Nu wordt het moeilijk. Kan jij eerst eens vertellen wat jij van hem apprecieert? Ja, ik denk dat... Zeg het in het Frans. Zeg het in het Frans, dan begrijpt hij het ook. In French. Je pense que Greg, avant tout, est un coureur qui a extrêmement beaucoup de classe. Peut-être, certainement, celui qui a la plus grande classe actuellement. Peut-être autant que tout le peloton ensemble. Donc ça, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché non plus. Surtout sa classe que j'admire le plus. Et Greg, qu'est-ce que vous... Oui, non, c'est parce qu'on mélange un... On mélange un tout petit peu les langues. Mais enfin, qu'est-ce que vous appréciez dans Eddy Merckx? Non, c'est surtout... C'était mon idéal là. Quand j'ai commencé. J'ai commencé en 76, il était toujours coureur à ce moment. Et j'avais un ami qui avait toutes les miroirs de cyclisme, et comme vélo. Vélo, miroir. Il y avait des autres. Aussi le cyclisme anglais. Mm-hmm. Et j'ai lu tous les articles quand il a gagné le Tour de France, toutes les courses. Et la première fois, quand j'ai vu, c'était à Prague, au championnat du monde. J'étais très, très nerveux. Oui, comment est-ce possible que deux champions comme vous peuvent s'éloigner l'un de l'autre par personne interposée, les dernières années, je veux dire? Non, je crois qu'il y avait des malentendus. Surtout, c'est sûr, lui, il a gagné tout. Et moi, je veux bien être comme lui, mais je ne suis pas capable d'être comme... Comme lui, il était très, très concentré toute l'année. Et je pense que c'est des malentendus parce que je viens d'une autre culture, un autre mode de vie. Surtout, je veux bien être sérieux de gagner tout. Mais pour rester dans le cyclisme aussi longtemps, j'ai besoin des autres choses. Sinon, je ne peux plus continuer dans une carrière très longue. Beaucoup a changé depuis mon accident de chasse. Je crois avant mon accident, j'étais toujours là dans le début de saison. J'avais envie de gagner dans les classiques. Et depuis mon accident, j'ai mis 12 ans avec beaucoup de problèmes de santé. Est-ce que vous... j'avais plus d'énergie pour... J'étais presque... Mais quand je commence la saison, j'ai pas envie de commencer la saison et de faire dans le peloton. Si j'ai un choix, je préfère être dans le premier groupe pour les gains. Eddie, hoe verklaar jij dat het... Maar in het Frans antwoorden. Hoe verklaar jij dat jullie eigenlijk zo uiteengegroeid zijn en dus een tijd lang niet meer met elkaar gesproken hebben? Gewoon omdat er altijd door journalisten en zo... Hij zegt dat over jou. Ah, zegt hij dat over mij? Hoe komt het eigenlijk dat jullie dan niet toch eens zeggen, laten we eens een gesprek hebben? Oui, je pense que c'est arrivé du fait que, bon, Greg étant champion du monde, et puis l'année d'après, les journalistes me demandaient ce que je pensais des contre-performances de Greg. Et bon, c'est normal que lorsqu'on est champion du monde, je trouve qu'on a certaines responsabilités. Bon, je comprends bien que Greg, après son accident, a eu une autre philosophie de la vie. Ceci dit, je trouve que quand on fait un métier comme le cyclisme, et qu'on porte un champion du monde, je trouve qu'on devrait essayer quand même d'être dans toutes les courses pour ça, pas les gagner. C'est ma vision des... Maintenant, vous êtes très heureux, sans doute, parce qu'il a très bien... Absolument. Pendant le week-end. Mais moi, je l'ai toujours dit. Moi, je souhaiterais qu'un champion du monde, un coureur avec la classe et la valeur
de Grecs qui gagnent deux, trois courses de la Coupe du Monde au début de l'année, qui gagnent le Tour de France, qui gagnent champion du monde. Je crois que c'est la plus belle réclame pour un sport qu'on pratique. Et ça, c'est pour ça que je trouvais dommage. Vous vous êtes entraîné hier, avant la course à Faye-le-Franc et après, c'est vrai? Oui. Ouais. Devenu fou ou... Non, mais je suis, malheureusement que tu m'en penses, c'est sûr. Je prends du poids dans l'hiver, c'est sûr, je fais quand même attention que je mange. Mais n'importe quoi, je prends toujours 3-4 kilos. Même cet hiver, tu peux demander à Johan Lamertz, on a fait 4 heures par jour en décembre. Donc c'est la classe maintenant. 6-7 heures de c'est simplement la classe qui fait que... Non, mais du prix, le problème, une fois que j'ai gagné le Tour de France, souvent, tout le monde veut que je gagne les classiques. Mais depuis ma début de carrière, j'ai très mal, je ne sais pas pourquoi... Même si je l'entraîne beaucoup dans l'hiver, je suis très pas bien en moi-même, en mois d'avril. Moi, je veux bien être le meilleur, mais... In the sunglasses, the only American ever to win the Tour de France, Greg LeMond, thrice victor of the world's greatest bicycle race. You have to put up with a lot of attacks from top athletes, pressure of not only the team, pressure of yourself to try to win, pressure of the journalists, spectators, everybody wants an autograph, everybody wants 5 minutes. It's very difficult to do the physical and the mental thing together for 3 weeks straight. Le Mans' single-minded pursuit of the Tour de France had him use other races like training sessions. He came nowhere, even in American events. But it's been a great race for training, this race, and I think 4 days of recuperation in the Tour of Italy. It's what I need to get in shape for the Tour de France. And what shape? His first contract was for $1 million. Then, after 2 Tour wins, he signed again with the French sponsor Zed. Biographer Sam Abt. He's making $5.5 million over 3 years in his contract with Zed. And there are many American athletes who make much more than that. He wants to be paid comparably to other American athletes, and that's how he's revolutionized the sport. 1990 was Le Mans' last win, but his monumental deals had been a catalyst in raising all riders' fees 1,000%. Almost single-handed, he'd put the rewards for top-flight international cycling on a par with American football. But... Greg himself is a nice guy, but I think I kind of don't like what he's doing to cycling at the moment. And nor did Eddy Merckx, who'd won the Tour a record 5 times. Unlike Le Mans, Merckx had raced hard all season, winning classic after classic. Merckx had a small factory in his native Belgium, producing exclusive bikes. Like Le Mans, who also marketed a bike, Merckx traded on his famous name. Parce que si Greg LeMond voulait, il pourrait faire exactement la même chose et remporter beaucoup de victoires. C'est pas normal qu'un champion du monde n'ait pas gagné une seule course jusqu'au Tour de France avec un maillot de champion du monde. It's purely out of jealousy because I market a bicycle in the United States that is taking a little bite in his competition, and he would like to see my value or my name taken down a little bit. And to me, it's sad to see a champion like that. I really had a lot of respect for him until I got to maybe know him a little bit better, and especially after his comments. I just say it's sad that I hope when I stop cycling that I'll be kind enough to the young riders and the new generation that I'll keep, if I have bad words or bad feelings, I'll keep them to myself. Greg LeMond did stop cycling in 1994. A muscle disease had been diagnosed. It had no effect on his day-to-day life, but it ended a remarkable racing career.